Alors les bains d'Apollon, c'est un bosquet qui est exceptionnel d'abord par les œuvres qu'il contient, c'est-à-dire les groupes statuaires qui sont derrière moi. Au milieu, vous avez Apollon servi par les nymphes, hein, donc on est rattaché au thème du roi soleil, au thème d'Apollon. Et vous avez des deux côtés les chevaux du soleil pensés par les tritons. Hein, donc le thème, c'est Apollon qui se repose après avoir traversé le ciel à la fin de sa journée. Des auteurs célèbres, le groupe central donc de Girardon et les deux groupes latéraux par Guérin et les Marsi. Et donc Hubert Robert va concevoir, mettre en scène ces statues. Hubert Robert va mettre en œuvre ici une composition de montagnes artificielles qui était couronnée de sapins et finalement reproduire le thème de la grotte de Tétis. Mais au lieu d'avoir une grotte de coquillages à l'italienne, on a une grotte qui est une grotte de montagne, qui est une grotte rustique. Et donc actuellement, on est dans une démarche où on va procéder à la dépose des œuvres originales, leur mise à l'abri en réserve et leur remplacement par des copies. Vas-y, lève au crochet, c'est bon. Tu peux lever au crochet. C'est une démarche qui est très très minutieuse, très soignée, très prudente, où on va construire un certain nombre de plans provisoires de planchers ici pour pouvoir les sortir les unes après les autres, ensuite les conditionner dans des cages rembourrées avec toutes les protections nécessaires, et ensuite avec un camion grue les charger et les emporter en réserve.